What are you doing with them? I didn't want to. Alors, on va déguster aujourd'hui un levain de pays, 2005, qui a été mis en bouteille il n'y a pas longtemps. Voilà. Ah oui, yes, yes. 19 ou 18 ? 19, mais le petit, c'est cette année, 19, ah. Tout petit. Un cabernet franc, tannat. Oui, oui. Mais ça, c'est un little. Hein. Petit verre d'eau. Petit verre d'eau, mais. Il y a 20 à 0, tout 0. C'est un little. We tasted it. Justement, Syrah, un tout petit peu, Grenache, un tout petit peu, mais tannat, Merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon. Beaucoup. Mini. Celui-ci. Ah, le vin de pays. Le vin de pays, oui. Ouais. Et ici, je vais vous faire goûter dans le petit verre. Voilà. Good water. C'est bon, c'est de la source, oui. Voilà. Moi, j'ai goûté comme ça, c'est pas vrai. Merci. Pardon. Merci. Je peux dire. Oui, oui. Mais enfin, qui est déjà un grand vin. Oui. Parce oui, que bien. Je traite tous mes vins. Pareil à la cave, c'est la même façon de faire. Mais avec des élevages différents quand même. Différents, c'est plus facile comme élevage. Mais nous, le système de vinification, port, ou... je vais vous donner, c'est... Ah, c'était quand? Pardon, quoi? Syrah, Grenache, Mourvèdre. D'accord. Il est encore jeune puisque il a été mis en bouteille la semaine dernière. Mais ça va être un très très grand vin, ça. Qu'est-ce que vous essayez de montrer, qu'est-ce que vous essayez de faire avec ce vin? Je cherche dans tous mes vins la complexité aromatique. Ouais. La complexité aromatique et surtout je cherche toujours quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire que vous avez dans le verre un goût qu'on ne trouve pas facilement. Ouais. C'est un goût qui m'est propre. Ouais. Voilà. Et qui est basé sur le terroir. Qui est basé sur le terroir, qui est basé sur la vinification. Ouais. Et qui est basé sur ce que j'aime. Donc je fais les vins que j'aime à travers donc, cette façon de conclure avec ce produit. Quoi. Et ça, ce que vous aimez, c'est l'élégance, la fraîcheur, voilà, ou la finesse aromatique, l'élégance. J'aime quand les vins sont très longs en bouche et j'aime pas les vins trop forts. J'aime pas ça. J'aime plutôt la finesse aromatique. Et ouais. Ça, c'est très difficile à faire dans le Languedoc. Parce qu'on a beaucoup de soleil et c'est très difficile. Et si on revient un petit instant sur le terroir, sur la totalité du domaine, c'est homogène ou c'est très varié? Il y a trois terroirs. Oui. Trois terroirs. Donc le calcaire avec les grès, voilà, le Montpellier. Vous avez après sablonneux, argileux. Oui. Et ensuite, après, on a des marnes, c'est-à-dire de la terre très lourde, oui. Argileux-calcaire. Quoi. Voilà. Et celui-ci, c'est sûr. On a des grenaches, on a haussé, et après, on a les vins de pays là-dessus. C'est ce qui donne cette finesse aromatique. L'Itesleptum. Det är lite plommon. Vad heter plommon? Prun. Det är prun. Prun. Il est encore jeune. Mûr. Faudrait. Mûr. Oui. C'est un vin qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, il a 5 jours de vie. Oui, oui. C'est déjà pas mal. C'est un dogue à garder. Oui. Alors donc, dans le verre, c'est. Dans le verre, vous avez la cuvée Synarca 2005. Voilà. Synarca 2005, qui a été mis en bouteille la semaine dernière, composé de deux cépages, Syrah et Grenache. Ce sont les meilleurs Syrah, les meilleurs Grenache.
Là, par rapport au précédent, alors, ce que vous essayez d'exprimer avec celui-ci, c'est... Là, j'essaye de faire quelque chose de plus facile à boire, plus sur le fruit, moins long en bouche, ouais, et plus facile à boire immédiatement. Quoi. Mm-hmm. Voilà. Parce qu'il n'y a que deux cépages, c'est moins complexe, moins de complexité que l'autre. Et pourquoi vous le faites goûter dans cet ordre? Parce que je fouais, on aurait pu faire l'inverse, c'est vrai. Mais c'est par curiosité, c'est vrai. Vous voyez, j'ai pensé que celui-ci est difficile. Ouais. Après celui-là, c'est très difficile. Ouais. Si j'avais fait ça, il risque d'écraser le bémol. Dans le nez, la Serra est beaucoup plus évidente. Ça fait très Châteauneuf du pape. Là, on trouve des fruits secs, oui, c'est exact. Mmh. Oui. Vous avez le fruit sec, c'est drôle, et les raisins secs. Mmh. Ouais, c'est bon, ça. Il vieillit pas. Hein. Il vieillit pas trop. C'est... Oui, on ne voit pas trop l'évolution, c'est plus une autre caractère. Ouais, ouais, il peut encore vieillir encore 5-6 ans, facilement. Hein. Mauvais, de la chanière. Mmh. Ouais.